Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, on est de retour sur Darkest Dungeon pour reprendre la team des ténèbres. Et oui, j'ai reformé la team des ténèbres avec le Black Guard et le Dark Wraith. Merci pour cet accent anglais des plus incroyables. Sauf que, en 3 et 4ème position, je n'ai pas pris non pas une holo, mais bien deux holololo. Voilà, une qui est vraiment spécialisée à mort sur les soins de stress et les soins tout court d'ailleurs. Et une qui est spécialisée un petit peu soins mais également infection. Donc on verra bien ce que ça va donner. J'ai donc Ein Zolgon qui est mon gros bill qui va taper très fort. Et le Skeletor, qui n'a que 16 de PV, hein, je le rappelle, mais qui est assez vénère en termes de dégâts et qui a une grosse capacité de soin en plus de ça. Donc pourquoi pas, j'espère que ça va bien se passer. Est-ce qu'il peut utiliser... Ah, il peut pas utiliser ça en deuxième position, je sais pas pourquoi j'ai ça. Est-ce que je peux pas utiliser autre chose? Ça n'a pas l'air. Bon, on va partir comme ça. Si je choisis pas... C'était celui-là que je voulais, il me semble. En plus, avec le l'objet qui correspond bien du coup à la sortie, au thème de la sortie. Par contre, dans les tanières, je suis en train de réfléchir, ça va pas infecter des masses? Ah si, ça devrait le faire. J'ai mis les... Ouais, c'est bon, j'ai mis les objets. Bon, c'est parti. On va pas perdre trop de temps. Ça, je sais plus ce que c'est, mais on s'en bat les couilles. Vite. Donc, donjon de niveau court, hein, on se rappelle. On va prendre deux pelles. La tanière, réfléchis. Réfléchis, on va en prendre trois. Toute façon, on va pas prendre deux torches, donc on peut y aller. On va prendre deux comme ça. L'eau bénite, on va en prendre une, mais sans être sûr. Bouffe-pelle et les fioritures, et je pense qu'on n'est pas si mal que ça, là. Est-ce que je prends un peu plus de bouffe? Ah, allez. Allez, c'est parti. On va faire ça comme ça. Petite boisson. Ah, parfait. Ah, mais regardez-les comment ils sont beaux. Alors, pour éteindre la torche, je dois utiliser Mage Control et clic gauche. Bon, bah voilà. Alors, désolé par avance si le bruit est insupportable. J'espère que ce ne sera pas le cas. Oh, une possibilité de me booster. Faisons-le. Faisons-le. Ou pas. Merde, j'étais persuadé que ça boostait ça. Ah non, c'est le tonneau. Exact. Bon, bah j'ai regagné de la nourriture, du coup. Masse bouffe. Ok. Alors là, oui, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, je vais prendre beaucoup plus de stress. Les dégâts et la précision des monstres, ainsi que les critiques... sont plus importants. J'ai la possibilité d'être surpris. Par contre, moi je vais aussi faire beaucoup plus de critiques. Et au passage, les butins sont plus intéressants. Aïe, ça c'était un piège. Bah les couilles, je suis un squelette. Je rappelle que j'ai quand même une grosse base de résistance. Saignement. Je vais baisser mon son. J'espère que pour vous c'est pas trop désagréable le bruit ambiant. C'est parti. Des araignées, ça peut très vite partir en autre boudin, comme dirait l'autre. Je vais donc défoncer leur précision. Oh ! Voilà, par exemple. Lol. Au secours. Ah, elle me touche quand même. Ok, ça part mal. 13.
ça va être compliqué. Alors. D'accord, c'est un soin sur moi, on est d'accord. Je prends moins de stress. Ok, par contre, lui, il prend plus de stress, lol. Le crachat, ça va partir très très mal, je le sens. Hein. Par pitié. Merci. Bon bah je suis déjà quasiment crevé hein, en réalité hein. Quelle horreur. Il touche pas. Oh mon dieu. À l'aide. À l'aide. Putain. C'est comme ça qu'on fait LOL. Pourquoi il touche pas lui? Qu'est-ce qui arrive? Putain, faut que je la soigne en vrai, hein, elle. Putain, mais quel boulet. Oh là, la morsure qui va faire mal. Putain, 8. Soin sur moi. Plus de stress. Plus de stress et encore plus de stress. Non, il faut que je... Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux la tuer? Merci. Putain, ça va être compliqué. Je l'ai voulu aussi. Hein. Je l'ai voulu. Ah, c'est insuffisant. Ouais. Bon, quitte à bourrer le stress, autant le faire sur 1. Putain, et alors, elle esquive mes couilles. Mes couilles. Et puis, elle aura plus de précision. Bon, est-ce que tu touches un jour? Merci. Oh là là, les récompenses sont phénoménales. Le pilier. Je sais plus ce que fait ce putain de pilier. Je sais plus. Je ne sais plus. Repérage. Je crois qu'il faut que je touche à mon cul sur ce pilier en fait. Non plus. Non mais non mais en fait quoi. Bon bah tant pis. Je préfère ne pas me mettre plus mal que je ne le suis déjà. Ok, pour un tour ça va passer. Hop. Ouais. Ouais, c'est pas incroyable. Alors, prochain combat. C'est parti. Alors, je suis désolé si vous entendez le chien crier. Toutes mes excuses. Oh, le coup critique. Excellent. Excellent. Il faut absolument que je me soigne. On va spammer sur lui encore une fois. Voilà, parfait. Aïe. Oh la vache. Ouh. Petite claque. Ah oui, c'est vrai que je saigne. Exact. Toi, jeune homme. Il est où mon soin de stress, là? Ah non, ça c'est sur moi-même.
J'ai pas de soins de stress avec elle. C'est con. Ok, ça c'est fait. Le stress va être un problème. Aïe. Je résiste. J'ai pas un soin de stress. Ouais, c'est un soin de stress sur moi-même en vrai. Ah non, ça c'est soin de stress. Oh la vache, 9 d'un coup. Pas mal. Oh là 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 là. Oh, c'est tellement efficace ça aussi. Oh là là, le pognon qui est conséquent. parfait. Alors, comment que ça se fait que j'ai autant de critiques? Ah mais oui, mais je suis trop con, j'ai mon... Forcément. Alors, 100% des pièces de combat, je suis obligé d'aller là-bas. Le piège, hein, évidemment, hein. Le sac est vide, quel dommage. Et on est surpris, ce qui est emmerdant. Ce qui est très emmerdant même. Aïe, évidemment. Ouais non, là faut que je bouge. Faut que je bouge. Ça va faire quoi ça? Ça va me soigner mon stress? Je m'en fous un peu. Je vais être obligé de faire ça. La mastication. Putain. La mastication. Ok. Ok, terrible désillusion. Voilà. Vite. Est-ce que je peux récupérer des PV, s'il vous plaît? Petite régène. Ils vont me focus ces bâtards. Pas trop le choix. Efficace. 6. Putain, je suis re... quel bordel. Ta gueule. Oh, je vais passer en... Oh putain, il a esquivé de l'enfer. De je ne sais où. Bah laisse-moi taper, laisse-moi jouer avant de dire ça, putain. Le tambour. Ah oui, ça commence à piquer. Ça commence à piquer. Oh, il le manque. Quelle saloperie. Faut que je le régène, sinon il va crever. Petite mastication. Essayer de gérer un peu le stress. Pourquoi lui il a pas géré son stress, je sais pas. Oh il le laisse à un PV. Oh les renforts. Comment ça? Au secours. Bon toi ta gueule un jour. J'aurais peut-être dû taper sur lui, je suis trop con. Bien fait pour ma gueule. Je passe en... violence. Ah! Le vomi. En coup critique. Terrible désillusion. Mais allez vous faire mettre tellement quoi. Oh, il résiste.
Non, ta gueule. Putain. Tiens. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je gère le stress là du coup? Parce que. Ouf. Ah, il va falloir. Pas le, la vie, je veux dire. Le vomi. Oh là là, les coups critiques qui m'enchaînent. Et je passe. Violence aussi. Et bah, j'ai deux violents, comme ça au moins, c'est parfait. Il a eu quoi, lui? Oh putain, il me le manque. Mais l'autre, la précision de ses... Précision de merde, quoi. Ouais, c'est ça. Viens là, toi, Billy Bob. Oh là 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 là. Terrible. Et les deux holos derrière qui ne servent pas à grand chose. À part à prendre les dégâts. Putain. Ah, c'est terrible ce qui m'arrive. Bon, toi, le cochonnet. Est-ce que tu peux, genre, disparaître? Non, mais tais-toi, Billy. En fait. Oh, je vais pas réussir à le choper. Si. Je vais lui pomper la bite. Je peux essayer de gérer le stress pour éviter qu'il ne meure de décès. Vite. Il a 60 de résistance à l'infection. Ah. Boulet. Oui, il ne fallait pas déconner. J'ai envie de te dire oui. Oh la vache, 5! Pourquoi j'ai pas fait ça avant, madame? Allez. Ouais, on va le sucer de loin. Putain, il m'en met une petite avant de crever. Voilà. Bon, c'est difficile. Bon, ils sont violents. Je sais pas trop, putain, par contre, l'argent, là... L'argent, c'est fou. Je sais pas ce que ça fait, ça. Je sais pas. Je ne sais pas. Tellement d'argent. Ce qui sert à rien puisque je vais avoir du mal à aller jusqu'au bout, mais... Ouais. Par pitié, laissez-moi gagner. Ok, demi-tour. Après, je suis con, je crois que j'ai plein de bouffe. Au pire, je vais manger, tiens. Ouais, mais oui. Bon. Les petites boulets là. Est-ce que vous pouvez grignoter 2-3 trucs? Voilà. C'est déjà mieux. Bon bah il nous reste 3 salles. Ça va le faire quand même. Oh par pitié quoi. Putain mais fouettez-moi les couilles quoi. Oh la vache. Par pitié, fouettez-moi les couilles. Ça sera moins douloureux. tiens. Ouais, c'est ça, bouffer. Vous venez de le faire, c'est pas grave. Ok. Toujours pas de repérage, hein, bien sûr. Sinon, ça serait... Oh, mais... Oh, ça va t'esquive. Merci. Ah. Dommage.
Bonjour. Oh, Vomiman. Oh non, mais allez vous faire mettre tellement profondément. Tellement profond. Oh, le tétanos du cul. Non. 40%. Oh putain. Ah, la mastication. Non. Ah, il esquive. Ah, il esquive, cet enfoiré, t'es mort. Mais tais-toi, toi. Oh là là. Je peux pas attaquer de je sais pas d'où, là. Ah, je suis obligé de bouger, je suis... Oh là, putain, je suis mort du cul. Ta gueule. Voilà. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il a? Il ronchonne, l'autre, derrière. Oh là là, je peux pas. Sur soi. Ouais, ça sert à rien, sur soi. Si. C'est laquelle? C'est elle, ouais. Éventuellement. Ah! Mais quoi? Mais tais-toi. Ouais, il faudrait que je pompe. Ouais, vas-y, pompe. Putain, alors lui, il sert à rien. Il sert à mes couilles. Mais quoi? Mais non. Oh non, il veut me faire. Oh non, putain, je vais crever. Aïe. Vite. Executed with impunity. Vite. Ta gueule. Bon, elle résiste, mais tant pis, hein. Ouais, mastique-moi ça, t'as raison. Oh. Je suis à 150. Ok, vas-y, je recule. Vas-y, tape là-dessus, va, un dieu. Quelle torture, ce jeu. Quelle putain de torture, ce jeu. Oh la vache. Ok. Bon. Oh mais niquez vous. Oh non. Oh, je vais crever. Oh, je vais mourir. Oh, je vais tellement mourir. Tiens, toi, je t'encule à sec. Ouais, oh, parfait. Oh là là. Non, non. Mais non. Non. Oh là. Oh. Oh, aidez-moi. Oh putain. Oh, aidez-moi, aidez-moi, putain, aidez-moi, aidez-moi. Toi, ta gueule, toi. Ah, il sert à rien lui derrière. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Faisons ça. Attaquons. Voilà. Le vomi. Esquive. Ok. Essayer de le pomper, lui.
Esquive, hein, évidemment, bien sûr. Bien sûr. Le petit crochet avant de crever. Oh. Putain, le boulet. Le boulet en coup critique, hein, évidemment. Lui, il est mort, je crois. Ouais. Bon, faut commencer à l'entamer, lui, parce qu'il va nous casser les couilles. Est-ce que je peux soigner le stress? Mais pourquoi je peux pas? Mais parce que je suis là. Quelle horreur. Mais non, c'est pas le soin de stress, ça. Oh, mon Dieu. Vite. Great is the weapon that cuts on its own. Oh, nique-toi. Ok, soin de stress, vite. Mais pourquoi il se soigne pas de son stress, Munich? Tiens, toi. Oui! Oh, j'ai accompli la quête, oh mon Dieu, merci. Oh mon cul, je vais pas, j'y vais pas. mon cul, je n'y vais pas. Ça vaut 20 ça, ça vaut combien? 20, ouais. Eh bah putain. Petit donjon difficile. Petit donjon court mais relativement rentable. C'est faux, puisqu'il va falloir que je soigne tout ce beau monde du coup. Ah, et en plus il est fatigué le pauvre, putain. Cartographie des ruines, c'est pas incroyable mais c'est toujours un trait positif. Oh, il y a l'autre, elle a le tétanos, oh, c'était pas rentable en fait. Moins de critiques, la haine des bêtes, ça peut être pas mal mais j'en ai déjà 3 je crois. Donc tant pis. Eh ben nom de Dieu, nom de Dieu. Ok. Bon bah du coup je propose de... Non. C'est là que je veux t'envoyer. Tiens. Je sais pas, prie, fais quelque chose. Toi, va genre picoler ou je sais pas quoi. Ouais, voilà. Tac. Et toi, enlève-moi ce tétanos. Tout de suite. Et c'est à peu près tout. Il n'y a que Holo tout court qui s'en sort pas trop mal. Voilà. Bon. Petite diligence. Alors, lui je l'ai. Oh, un deuxième Guts avec curiosité, au revoir. Non, ouais. Non, c'est pas incroyable. Non, ça c'est vraiment horrible. Et ça c'est horrible. Bon, bah les petits amis. On a souffert, mais j'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me mettre un petit like pour le soutien, un petit commentaire également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche si mon contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine, je vous dis portez-vous bien. Allez, salut.